Alamaba wa salam alaikum. Ambe ya fuini tanidi malde nche ni muso bela jelema. Kabedo kira mantu yana. Ambe ala fuka ala barikata. Bi ambe la kuma kibora ya kana kibora mi ni gouvernement ya la seno yuka komunike numero 052. Mi la sera ministre de la décentralisation, ministre d'état, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement fait. Kanyesi jalaki ukumaula me na taraka fo américain jamana fe ni wati labanga o mali gouvernement fe ne ujabi ni sebenye ani hakina di hakina mi ne communiqué ni kono no communiqué numéro 053 amena mi kono kuma fo awiye to dunkana inshallah. Le gouvernement de la transition a appris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, menée par les autorités maliennes. Ko Mali gouvernement balla, ka kibaraya soro, kibaraya minye américain jamana ya kafouye décision ta kenena, mekalo tant sur l'approche que son contenu a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits pour actes criminels. Comme le gouvernement qui a communiqué d'aucun ni au communiqué numéro 052, il y a un l'État s'en va dans 2023 au Mina, Mali, gouvernement de la transition, allez, il y a un cliquet, car un rapport Minkera, ni un rapport Fanglemado, ni Fiemado, à Ketchou, il y a un Konokola, car il y a message l'angolo min cheru a tola anu ya dali minge kene kan ka cheru begame ko abib bisigi ani janto kanga ke ni ma jala kina magenga jwala o wale mini gnyebe benoka ka bi dan kari ola mamunu to fole me ami dan kari o fenena le mai 2020 par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain lors d'un point de presse et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé. Kafokon Binanson, Mali est demengue, Maramafion Dilila, quel est Dola, quel est Mina. Timani yema fe wati gelema una wa wati una wati mi ni buna hadama dia hata ukuma ubeka fo ni siu ni larawili beka keoka. En réaction à cette accusation du département d'État le 25 mai 2023, quelques heures avant la gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali, Koka Djabilike Kassanga, département d'État américain yé jalaki langolo mimbi kasanga oma mekalo kuru 2023 er damado ukala la série nunu kelé profé kanyesi mali officier flama ko balemaya ni singiya ni glani re konana ani jeni wa nyuma kono ala ministre mimbe anga jamana ni jamana wara che konyo kuna américain. À titre de rappel, ce dernier a avoué lui-même que, à date, nous n'avons aucune indication que ces acquisitions ont été finalisées ou réalisées. Ko kasangani kuma yifenaye ni oye aka okapuma langolo folenye. Mali gouvernement ya dira kafo kuma yinye dalafrenya kuma gwansande ye mi fora département d'état américain. Ola c'est le qu'elle a fait. Ko au-delà, oere diona la kafo ko tien tiena amedo mina ko bi dangania ani sheria fuitu bolo kafo obe la kuma mi yere fo kwa jutigera jango kwa la waleara. À travers cette attitude des États-Unis d'Amérique, précédée de leur refus de livrer en 2021 un avion de l'armée de l'air malienne, le CASA, le gouvernement de la transition est contrarié par ses actions qui impactent négativement la coopération bilatérale à un moment où le Mali lutte obstinément contre la junte française
promotrice du terrorisme dans le Sahel. Ko américain nga ni wale abi sa ko fem nguna ode ka fo 2021 ou kum bana folo mali armée de l'air yé mokota avion misa ko livre mali ma warbe sarale ko fe no ya na kazaye o wale fene wale kura mi na kene fene ko ni kene be ka mali gwa akamana la sabula mali be ani États-Unis tiesra glanina o wati de ni ko ina na ke wati fene la wati ni ne mali be ka bingani djebulu franci kele omi terrorisu fa oba anu djabala e sahel konan. Saisissant cette occasion, le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des deux poids deux mesures. Le gouvernement be isako ni kuma yin sever abisizi ni kuma yin sever ka fo kuma mun fora ma genu ye wa wale min be ka keno e ka gyo shariata ko ke politiki kele sirae ani gnyeselegena ni jateu na sorona na fo sirae politiki strafe wolo mali ma bo wolo ma sirao fenefe ko mali gouvernement ko ati genu ye. A ce sujet, le gouvernement de la transition rappelle au gouvernement des États-Unis d'Amérique son silence troublant suite au bombardement par la France le 3 janvier 2021 des paisibles citoyens maliens qui célébraient un mariage à Bounty, malgré que la responsabilité de la France ait été établie par la MINUSMA. Koni kokumkon Mali tiamandé la fanga be États-Unis gouvernement hakeli djigin ka fo o da globalani datura kodou kan mino kera francis fe janvier kalo kle sa va sa 2021 Bounty kolo ke la ganzan olu munu bombarder la kam ko chama fa ola États-Unis mapma kasro francis non o la semen ki ara minisuma ere ka rapport na kaseke lu fe. Face à la complexité de la crise au Mali et dans la région, les mesures unilatérales inconsidérées sont contre-productives, voire dangereuses, et ne feront que renforcer les groupes terroristes et les forces obscurantistes qui se sont renforcées depuis l'intervention militaire en Libye et contre lesquelles se battent nos vaillants soldats. Koka nyeshi Mali ere lakanambalia geleyama ani farafina wurdugu yanfa geleya mimbi ani ni decision munu tara kelena munu ni na fatula uti na fadnye ko faratu do wa kololo do ubike sababu ka terrorisi djekulu ani bamanji djekulu munu be tieni na anga jamana kono ka fanga di oluma olu munu nani anga jamana kono o sababu ye kele min kera Libi ka Libi ki wa o kololo Mali armée be ki kwa daula abeko kele ke domodo ni oye Mali armée nganaye. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les trois principes définis par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et qui guide l'action publique au Mali, à savoir. Comme Mali gouvernement be ikambla États-Unis gouvernement ma kafo we ka tocheni la boshi la selimi barad damene ka nyeshi Mali ma ukajo wa Assimi Goïta ye danje saba mingira no ye dagani saba yinye kuka dagani saba yin bonya ko sabula tuguni foka minge ko Mali bi barawo barake abisi yo dagani saba yineka ano kuntulena saba yineka. 1. Le respect de la souveraineté malienne. 2. Le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. A follow, Mali ka erea o bonyali. Mali mana fokwani mami mbeje
ani a kunflena mi o boyali bara o bara no bi tension partisane sur fond de tensions géopolitiques ne compromettent l'œuvre de la refondation en cours au Mali ainsi que la montée en puissance des femmes ko Mali chamande la fanga abi nyema hakili sigani jamana bi hakili sigi kafo janfa fuit na Mali bla akata joro ke ka deme ma fe mini a deme fe do siglente do re ka yere na fa nyini ko setigi jamana u fe wa kutna wale fuike mimbi ke sababu Mali kura ali bara mimbe sina ani Mali arame be sano yele ni kele u se soro li mina olu ka se ka dangari kutna fuike ma chinye da kam. Enfin, le Mali réitère son engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 27 mai 2023, le ministre d'État, ministre de l'administration, Yon Konokuma et Tonoukana. Ambe Allah Outa la Dili, en face au Alaka Wobolola, en face au Alaka Tanga, Alaka en face au Jiti. Nemba dira ka fo americain farala francican Mali kele lila sa gobe ka asimi britani sura simunu kele olute Mali de kodo Mali de beka kele damana deu nan sigilelo nan jolelo anga tama nan bitama anga boli amboke muna amboke Mali jola ani Mali nyema o demenina colonel asimi guita Mali denu iba foko anu, ala ye Mali sini di abide dama, ame domine kobi. Kakambe faye, auka donga fo, asimi te Mali didu. Sabu, asimi bwili ka mawale blaye, ni kele li bi ke ula, wankanga wili ku kele ni deme.